Salut tout le monde, c'est Pixie, on se retrouve pour ce 23ème épisode sur Lost in Blue 2. Dans le dernier épisode, on avait avancé un petit peu l'aventure, on avait découvert un temple. Et j'ai été voir sur internet, hein, comme je vous ai dit que j'irais voir parce que ça se trouve, il faut faire des panneaux et compagnie. En fait, pas du tout, pas besoin. Et on avait aussi juste besoin d'y aller avec le garçon. Donc ce que je vais faire, je vais me faire un petit stock de bouffe quand même. Hein. Parce que faut pas déconner, les bâtons... Ah au pire, je vais aller chercher des vives araignées. Avec les deux bâtons que j'ai là. Et après je vais aller dans le temple, essayer de pas me foirer, hein, parce que j'ai juste regardé ce qu'il fallait faire, j'ai pas regardé les solutions non plus, faut pas déconner, sinon ça n'a aucun intérêt. Puf 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 puf. Je regarde quand même parce que j'ai pas envie de me foirer pendant un épisode quoi, de mourir bêtement ou d'être bloqué et que ça me nique du temps pour rien en gros. Voilà ce que je voulais dire. Et on avance. J'ai regardé aussi un autre truc mais je vous en parlerai plus tard. En attendant je fais une ellipse et je vais aller pêcher des vives araignées, j'espère. A tout de suite. Non, juste pour vous montrer, pour la cuisine, on a le dernier truc disponible, c'est faire sauter. Et ben on va le faire, tiens, pour voir ce que ça donne. J'ai pas trouvé de vive araignée, pourtant. je suis vraiment dégoûté, pourtant j'ai bien fait comme il fallait, hein, j'ai envie de dire. Wouah, faut faire des igouigouis, en fait. Faire plein de igouigouis. J'espère que ça va marcher. Oh, je fais tout sauter! Comment on sait quand c'est terminé? Sauter étrange de éperlan, ça a pas l'air bon non. Tant pis. On verra bien combien ça rend au final. Hop, là on va faire cuir. Voilà. Et les plantes qu'on avait chopées la veille, je sais plus comment ça s'appelle déjà. On va les couper. Hein. L'armoise. Très bien. On va voir combien ça rend. Tchac 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 tchac. Alors, il est où le problème? Moi, je te coupe la gueule. Tchac 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 tchac. Allez. Ah, c'est une horreur de compter les ingrédients. Allez. Avant le livre, je vous ai dit que j'avais regardé un autre truc, c'était en fait les fins du jeu, parce qu'il y a, si je me trompe pas, 4 ou 5 fins disponibles, je crois qu'il y en a 5, ouais. Il y a 5 fins disponibles dans le jeu, mais elles sont super dures. Moi j'avais fait la plus simple. Celle où on n'a pas besoin de normalement de regarder sur internet, on peut l'avoir, elle est disponible, faut faire un radeau. Mais c'est encore super long à faire, mais et je vais pas faire la même. Ça me ferait chier de refaire la même que j'avais déjà faite. Non, ça fait 21 comme, bah, comme l'autre là. Ouais. Aucun intérêt de faire sauter, sauf pour les recettes, je pense. Et ça donne 10 mouais. C'est pas énorme, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, je vais faire une nouvelle fin du jeu. J'ai regardé celle qui était disponible. Et il y en a pas mal qui me paraissent super dures. Et je vais en faire une. Apparemment, ils disent que c'est la plus dure. Moi, je trouve qu'elle est... Elle a pas l'air compliquée. Faudra juste que je fasse des sauvegardes à chaque fois pour... Enfin, elle est compliquée si on fait pas de sauvegarde avant. Et si on reprend les sauvegardes pour avoir ce qu'on veut, en fait, bah... C'est pas compliqué au final, je pense. Et je ferai celle-là. Je vous dirai pas laquelle. Hey, je vous laisse la surprise. Ah, il y a une bestiole là. J'ai mon arc. À l'attaque ! Pigeon ! Non, c'est un canard. Mais non, mais à chaque fois, ça bug. C'est bugué, je tire... Oh là là. Je relâche pas le bouton, c'est nul. Ce jeu est nul. Ce jeu est buggé. Même Amy, elle t'est buggée dans le dernier épisode. C'était catastrophique. Alors, le lac. Pas besoin du radeau, hein. De toute façon, je ne peux pas le contrôler tout seul. C'est ça le délire.
On va passer par les raccourcis que j'ai débloqués, qui sont là. Non. Là, il n'y a pas besoin de raccourcis. Ouais. C'est après. Faut que je monte là, voilà. Hop. Par contre, le volcan, il est où sur l'île? Ouais, il doit être un peu par là, en fait. C'est ça le délire. Il doit être juste au-dessus ou dans la fumée, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un volcan. Même on y est, j'ai envie de dire, là. C'est une sorte de volcan. C'est un peu de la terre volcanique dans laquelle on est. Et on retourne dans le temple. Et... alors ici, on pouvait pas y accéder. Par là non plus. Ici, j'avais déjà fait la première énigme. Et on va continuer. Alors... même en poussant, ces pierres, elles sont entaillées sur le dessus. Trop dangereux pour y monter, d'accord. On va pas monter sur les pierres. Je peux juste grimper. Peut-être parce que j'ai l'arc dans la main. Alors, je peux rien faire d'autre. Ah, je peux pousser. On va pousser. Ouais, les premières énigmes sont pas... ont pas l'air très dur pour le moment. C'est un peu les énigmes à la Pokémon à la Ligue. Faut pousser les rochers dessus, quoi, et puis ça débloque les portes, quoi. La base, j'ai envie de dire. Alors, ouais. Ça se pousse pas comme ça, ça? On peut pas les pousser dans le vide. Sérieux? Bon, bah, on va pousser ça comme ça. Ici, on va faire ça comme ça. Ça comme ça. Hop là. Ça, ouais. Ça ici. Par contre, là, je suis pas bloqué là, par contre. Je me suis peut-être bloqué. Alors, je me bloque encore plus là. Maintenant, c'est bon en fait. Je dis n'importe quoi. Comment je vais faire pour celui-là, par contre? On peut pas le pousser celui-là? On va pousser celui-là comme ça là. Ouais, nickel. C'est vrai que si on peut sauter dessus, ça nous débloque la voie. Et celui-là, on va pousser ça, celui-là, comme ça. Même encore un cran, je pense. Ça devrait faire l'affaire. Celui-là aussi. On va même pouvoir le pousser deux crans, celui-là. Voilà. Faut que je surveille aussi mon état. Je perds un endurance à chaque fois que je pousse un bloc, c'est pas très grave. Et voilà. Ça devrait être good. Je sais pas si on peut tomber dans le vide si on s'approche trop, je pense pas. Alors, prochaine salle. Je vais quand même le pousser, je pense que ça doit être fait pour. Hein. Si jamais on vient avec Ami, je suppose. De toute façon, j'ai pas besoin, moi. Alors, hop, hop. Par ici. Cette porte ne s'ouvrira pas. Bon, si tu le sais, écoute, tant mieux. On va aller par là. Encore une énigme, apparemment. Ah, il y a un gros rocher. On va pousser ça. Ouais, non, de toute façon, il peut pas être poussé, ce gros rocher. Il est juste là pour y monter dessus. Et puis celui-là, on pousse pour Camille monte dessus aussi. Ça, ça va ouvrir la pièce. Hop là. Elle est ouverte à nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec cette grotte? Je sais pas ce qu'ils bavent. Alors, on va monter...
Dernière énigme. Je dis dernière parce que j'ai vu qu'il y avait 5 salles et celle-là c'est la dernière. Alors. Pas les grappes. Les grappes. Je vois pas le délire là en fait. Ah si, il faut peut-être cela. Est-ce qu'on peut le pousser jusqu'à là-bas? Ah nickel. On peut pas aller plus loin par contre? D'accord. Ok, ça devrait le faire quand même. En fait, je me disais si on pose l'espèce de. Je sais pas, c'est une caisse en bois, ça, si on la pose dans le socle, là on met les grosses pierres rouges, est-ce qu'elle reste bloquée? C'est ça le délire. Par contre, je veux juste vérifier. Ouais, on peut descendre, d'accord. Donc c'est bien comme ça qu'il faut faire. Normalement, après, ça devrait être la sortie, comme c'était la cinquième salle. J'ai vu qu'il y avait cinq salles au début. J'ai vu qu'il y en avait plus après qui pouvaient être débloquées. D'ailleurs, est-ce qu'on a débloqué? Oh putain, il fait déjà tard et j'ai plus d'endurance. What the fuck? Oh mon dieu, j'ai déjà plus d'endurance. Oh, c'est une catastrophe. Je sais pas. Ça se trouve, je vais mourir. Ah, il reste encore une salle. Non. Bizarre. Aha! Sorti. Il y a de la lumière venant de là-bas. Ça doit être. Ça ne peut être. Ça ne peut. Oui. Ça peut être la sortie, quoi. De l'eau. Checkpoint, j'ai envie de dire. Par là, c'est quoi? Oh, j'ai plus d'endurance apparemment. Par là, c'est. Encore une salle apparemment. Ah non, d'accord, c'est. Ça nous amène à la sortie. Très bien. Oh, le raccourci de fou, c'est génial ça. Ça nous ramène à la fin. Génial ce raccourci. Alors. Oh, une prairie encore, génial. Voici l'autre côté de l'île. Je me demande s'il y a des indices pour nous. Vous aider à rentrer chez nous. Soupir. On dirait que j'ai fait tout ce chemin pour rien. Non. Il doit y avoir quelque chose. Ouais, faut continuer, hein, t'inquiète pas. Ça ressemble à quoi? D'accord, on a presque tout découvert, j'ai l'impression. Par contre, niveau endurance, là, mon ami, à moins que t'aies une solution infaillible. Des carottes, on va récupérer tout ce qu'on peut trouver de mangeable sur place. Oh putain, par contre, il y a une bestiole là. On va attendre qu'elle se casse. Voilà. Vous allez pouvoir le petit point d'interrogation là qui commençait à grandir à chaque fois que je frottais le sol. Encore une carotte. Hop là. Et encore une carotte. Allez, prends la carotte. On peut les manger de suite, j'espère. Voilà, plus 5, plus. Ah, oh, c'est nickel, plus 5. Il n'y en a pas encore d'autres par hasard. Attends, je voudrais voir ça ressemble à quoi. C'est étrange comme endroit, quand même. Il y a une plage. Oh! Oh, mon Dieu!
Me dis pas que c'est... Oh, c'est encore une cabane. C'est quoi ça? C'est une mornade. Des oignons. Ah, il y a encore plein de... J'allais dire c'est une mandragore. Ça ressemble à Mandragore, comme dans Dontster. Hop là, encore un. J'espère que ça nourrit bien les oignons. Allez, voilà, prends l'oignon. Encore un. Putain, je suis en train de crever, c'est un peu la merde. Elle, ça va, elle s'en sort bien. Plus 5, plus 5, plus 5. Ouais, c'est cool. J'aurai assez d'énergie pour rentrer, j'espère. Ah, voilà, petite cinématique. Ah, mon dieu, je ne referai pas de cabane dans cette série, c'est mort. Cet arbre est énorme et la forme des branches. Je parais qu'on pourrait y construire une cabane. Ouais. Non, 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 non. Surtout qu'il faut la même, je parie. Ouais, c'est ça. Pff, on va mourir, quoi. Je préfère pas aller sur ce coin de l'île que de refaire une cabane, quoi. Alors, encore un oignon. Allez, prends l'oignon! Pépépé. On va voir ce qu'il y a vers la plage. Allez, on descend encore une marche. La plage, c'est par là. Est-ce que... Oh, un bateau! Ah mon Dieu, un bateau! Y a-t-il d'autres gens sur l'île? Je me demande où. Aha! Du sel, yeah! Voilà, donc ça, c'est une fin du jeu disponible, le bateau. Non, je crois que ça, j'avais fait, j'ai pas construit un radeau, j'avais fait le bateau, mais je crois qu'il disparaît, il va quelque part d'autre, faut le retrouver. Et puis après, on peut s'y échapper en faisant des paniers repas et compagnie. C'est la fin disponible avec le radeau, la fin du jeu, mais c'est pas celle-là que je vais faire puisque je l'avais déjà faite. Et c'est la plus simple. Même si je m'étais fait chier à reconstruire une cabane, je me souviens. C'était catastrophique. Ah mon Dieu. Ce jeu, quoi. Construire des cabanes sans cesse. Par contre, ah, est-ce que je peux voir mon état de santé? On va se reposer un coup. Récupérer de l'énergie. Le plus possible. Voilà. J'ai faim, oui. Pas grave. Tiens, bah t'as un oignon au pire. C'est vrai que t'as un oignon, mon garçon. Allez, mange l'oignon. On va retourner dans le temple. Cependant, on va pas prendre le raccourci directement. Pépépépé. Parce qu'il y a un tremblement de terre si on revient. Oh mon dieu, il ne s'arrête pas. Oh, le mec il tombe carrément quoi. Déséquilibre instantané, c'est enfin terminé. Quel énorme tremblement. J'espère qu'Ami va bien. On va revenir par là. Hop, 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 hop. Allez. Putain, c'est galère, ça va me faire perdre de l'endurance à fond de faire ça, mais bon, je suis un peu obligé, on va dire. Parce que le tremblement de terre a fait sauter la porte qui était là. Ce chemin était déjà là quand je suis passé ici. Et on va y aller, et... Il y a encore des énigmes, oh mon Dieu! On peut pas aller aussi haut? On verra ça plus tard, moi j'ai envie de dire, dans le prochain épisode. Faut qu'on rentre! Je vais mourir!
Allez, courage! Je voulais juste débloquer ce passage. Je l'ai vu sur internet, hein, parce que c'est essentiel pour la fin du jeu que je veux faire. Vous pouvez aller chercher sur internet, vous saurez. Je vous le dirai au pire dans le prochain épisode. Quand je retournerai dans ce foutu temple, j'ai plus d'énergie. Oh mon dieu, ça se trouve, je vais mourir. J'aurais fait tout ça pour rien. Non! 78%. Pouf! Il y a moyen que je survive, Pokwe. Mais je sais que vous êtes tous avec moi, j'ai besoin d'eau, oui. Il y en a ici, de l'eau. Bois. Yeah. 75. Sachant que je vais devoir faire encore plein d'efforts pour... Oh, ça risque de pas passer. Surtout si je me fais attaquer par des loups, alors là c'est catastrophique. Et le jacuzzi, y a pas moyen que ça me rende des stats, genre de l'énergie, tellement on s'en sent bien dedans. Elle va faire un bain. Allez, vas-y. Tu as déjà été tout à l'heure. Enfin, hier. Enfin, dans le dernier épisode. Enfin, tout à l'heure. Enfin, tu sais très bien. Allez, vas-y. Ouais. Que c'est bon. Bah, maintenant, tu rentres à la maison. Oh, plus 30 d'énergie. Oui. Oui. Je savais bien que ça servait pas à rien. Oh mon dieu, je suis trop content. Oh, une nouvelle jeunesse offre à moi. Après un jacuzzi. Oh mon dieu. Pourtant, il me semble pas que ça l'avait fait dans le dernier épisode. Il me semble pas que j'avais regagné autant d'énergie. 30, c'est énorme. Dans les souvenirs, il me semblait bien que ça en régène, mais 30. C'est juste épique. Oh mon dieu, je... pas mourir grâce au jacuzzi, quoi. Oh, comment je suis refait d'un coup, là. Il court, regardez. Oh, une nouvelle jeunesse. Oh, mon Dieu. C'est énorme. C'est déjà le matin ou je rêve? Ouais, t'es éteinté. Allez, tiens le coup. Tiens, des brindilles. Oh, des carottes, mec. Des carottes, man. On récupère les carottes. Voilà. Oula, Ami est en train de crever, pareil. On pourrait dormir pendant que je suis pas là aussi. Qu'est-ce qu'elle est débile. Voilà. Ça c'est quoi, c'est des patates? Allez, patates. Ouais, on récupère les patates, on va faire des frites dès que je vais rentrer. C'est ça qui est bon. Ah, cet épisode a duré beaucoup trop longtemps. Mais c'est... ça commence à être la fin de la série, j'ai envie de vous dire. Dans le prochain épisode, je sais pas ce que... bah, je vous montrerai la fin du temple. Hein. Et vous verrez où je veux en venir avec la fin du jeu. Puis peut-être que ce jeu... enfin, cette série sera terminée dans 2-3 épisodes, je ne sais pas. Faut voir en fait, faut voir comment ça se déroule avec la fin du jeu que je veux faire. Allez les patates! En tout cas, là, je lutte pour ne pas mourir. Wow, je fais des efforts de ouf pour récupérer les patates. Hein. Je suis un peu un fou. Le truc, c'est que j'ai peur pour me reposer pour récupérer de l'énergie si Ami va pas en prendre un coup dans la gueule. Niveau état de santé générale. Allez, les patates. Oh mon dieu, cet épisode, c'est une torture. On est juste en train de mourir, Picti, mais t'inquiète pas, tout va bien. Ouais, ouais, bah, continue, hein, moi, ça tourne. Allez, Jack, courage. Bah ouais, je suis presque à la moitié de mon état général. Si ça continue, je vais juste mourir, quoi.
Hey, t'inquiète pas. Tu te souviens au début, t'as bouffé un champignon mortel, bah t'es pas mort. Courage. Oui, on arrive. C'est le matin. Ah, énorme, énorme. Je vais pêcher. Il me reste de la place. Il me reste un petit peu. Allez, on va prendre cette lance pour 3 poissons à la con. Ils sont où les poissons? Et un. Et deux. Et attendez. Et je vais reprendre un troisième, je vais regarder si j'avais une brindille pour faire du feu. Parce que je crois que dès que je vais arriver, il n'y en aura plus. Et un poisson sucreux, c'est ça qui est bon. Ouais, c'est le matin. On est en train de mourir. Oh, regardez la gueule à Jack. Salut. Contente que tu sois rentré, ça va? Je suis mort. Hey, je vais faire de la cuisine, petite ellipse, vite fait. A tout de suite. Heureux, donc j'ai pas fait toute la cuisine, mais... C'est parce que j'ai pas de graisse pour faire les frites, j'ai oublié. Ah, je vais les prendre tout de suite et on va refaire. Par contre ça me rend 23, il y avait... Il y avait poisson et carottes, c'était un petit mélange. Alors, des patates et des carottes qui me restent. Et bon, on va prendre de la graisse pour faire des frites. A tout de suite. Oh mon dieu, je viens de découvrir un bouton, on peut directement faire la recette. Attendez, je vais essayer de la refaire. Il n'y a même pas besoin de cuisiner en fait. Regardez, Y, recette. Je change. Et là, il y a mes frites. Et j'ai appuyé dessus, ça me les a fait direct. Par contre, là, j'ai plus de graisse, donc je peux plus les faire, mais c'est juste pour vous montrer. Ah mon dieu, j'ai passé tout le temps à se faire des recettes à la con avec les poissons, alors j'aurais pu directement les faire comme ça. C'est à ça que ça servait. Zut! Bon bah, pour la prochaine fois, je saurai. C'est pas grave. Ah bah je peux en refaire d'ailleurs, avec 4 patates. Par contre ouais mais je veux voir la recette, ça me m'en a fait combien des frites aussi. Si ça me l'a fait qu'une patate, ça sert à rien quoi. Ouais bah d'accord, ça me l'a fait qu'une patate, ils sont forts. Hein. Je vais la faire moi-même, à tout de suite. Voilà, j'ai fait des frites moi, et là ça va pas me rendre 5 hein. Je vous le dis tout de suite, moi c'est des frites de luxe, voilà, plus 21. Enfin bref, il me reste plus qu'à faire du feu, et à vous souhaiter... Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée. Et en fait, je sais pas, là, je suis tellement à l'ouest, là. Tellement que je suis en train de mourir. Regardez, tête, j'ai. Oh mon dieu, je suis en train de mourir, je suis à l'ouest, je dis n'importe quoi. Non, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé s'il a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais c'est parce qu'on aura vu pas mal de choses niveau aventure. Hein. Ouais, on a découvert pas mal le côté en haut de l'île, hein, où il y a le bateau. Le bateau échoué. Et dans le premier chaîne épisode, on avancera encore, hein, toujours dans le temple, on fera la partie qui a été débloquée, et qui nous permettra d'avancer pour finir le jeu bientôt, les amis, bientôt, cette série se terminera malheureusement, mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut !